Donc, mesdames, messieurs, amis historiennes et historiens, chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que la municipalité de Clermont ouvre les salles de l'hôtel de ville pour permettre aux sociétés historiques de notre secteur de venir se présenter et montrer leur travail. Pour nous, quelque chose de très important, et il me semblait normal que pour un colloque d'histoire, on vous accueille dans ce qui est l'un des joyaux de notre patrimoine communal, l'hôtel de Clermont, qui est situé sur ce site depuis le XIIIe siècle, au moment où la ville de Clermont, en 197, a pu acquérir du pouvoir royal sa charte communale. Donc, tout au long de son histoire, la ville de Clermont a promu son patrimoine. Il est vrai que, je disais encore quelques notes hier, qu'au XIXe siècle, lorsque nous avons eu des maires bâtisseurs qui ont voulu moderniser le centre-ville de Clermont, ils se sont battus pour faire reconnaître l'existence de cet hôtel de ville en ferraillant un petit peu contre le prince de Condé pour que celui-ci accepte de céder à la ville l'hôtel de ville. Et après pas mal de discussions, la ville a proposé au prince de Condé de donner son nom à l'artère principale de la ville. C'est pour ça que sur les cartes postales anciennes, vous voyez que la rue de la République s'appelait à l'époque rue de Condé. C'était pour remercier le prince de Condé d'avoir autorisé la cession de l'hôtel de ville au patrimoine de la ville. Alors, notre ville, vous le savez, vous qui êtes historien, c'est le berceau des comtes de Clermont, un comté fort puissant, et il était normal que les élus que nous sommes. Déjà, nous sommes voulions préserver ce patrimoine qui est représenté par le donjon. Et depuis près de 40 ans, les élus de Clermont se sont battus, se sont mobilisés, ont cherché des fonds pour pouvoir conserver ce que pourrait être la base du donjon de Clermont. Nous avons le plaisir, cette année, d'avoir pu offrir aux Clermontois la possibilité de marcher autour du donjon ainsi sauvé. Vous avez pu voir que les échafaudages et tous les travaux de maintien qui avaient été faits depuis près de 30 ans, donc tout a été remis en ordre, et vous pouvez, en passant autour du donjon, vous rendre compte exactement de ce qui est. Et aujourd'hui, avec nos partenaires, car nous avons à l'intérieur de notre ville de Clermont la chance d'avoir plusieurs associations historiques, que ce soit la doyenne d'entre elles, la Société historique archéologique de Clermont de 1902, avec laquelle nous travaillons étroitement depuis 30 ans, et également l'association Histoire et Tradition de Clermont, et enfin la CACHIC, derrière lesquels on trouve également le Club des collectionneurs de Clermontois et Certiatique de Clermont. Tous ensemble, avec toutes ces sociétés savantes, nous travaillons maintenant sur la mise en valeur du donjon, puisque maintenant que le bâtiment est sauvé, nous allons nous atteler à rendre possible et en tout cas atteignable les alentours de ce bâtiment. Donc ça sera effectivement le programme que nous allons nous assigner dans les années à venir. De même, cet hôtel de ville qui a fait donc l'objet de restauration en 1975, lorsque a été lancée l'opération L'Art gothique en Picardie, la ville de Clermont 75 s'était associée à cette manifestation, et grâce à cela, les travaux de conservation de l'intérieur du bâtiment avaient été réalisés. Aujourd'hui, près de 40 ans se sont passés, la fonte des temps est passée, et il nous appartiendra dans les années à venir aussi de réhabiliter l'intérieur de ce bâtiment. Alors, nous sommes effectivement passionnés par l'histoire, notamment, je vous l'ai dit, parce que nous avons un patrimoine important qui nous a paru nécessaire de le léguer aux générations futures, mais nous sommes effectivement très actifs dans l'immédiateté, et Pascal, mon collègue d'adjoint aux affaires culturelles, va prendre la présidence du comité de pilotage pour l'organisation des manifestations du centenaire de la guerre de 14-18. Et là encore, les amis de l'histoire historien Clermont seront associés
à la réussite de cette manifestation. Alors nous sommes très très heureux, Claude, que ce soit vous cette année qui puissiez recevoir donc, les associations de notre secteur. Alors évidemment, on aimerait, c'est très agréable parce qu'on a, celle de l'arrondissement de Clermont et quelques-unes en plus qui viennent à Saint-Sépulcre, mais ça serait effectivement intéressant que l'ensemble des associations du département puissent travailler ensemble parce que ce n'est pas, c'est un simple constat, ce n'est pas une petite pique, mais il faut remarquer que dans les associations historiques, les plus de 50 ans sont quand même en majorité présents et qu'il est important d'encourager les jeunes, et c'est la raison pour laquelle je pense que de vous montrer comme ça ensemble, faire voir vos travaux, je pense que c'est important parce que c'est comme ça que vous pouvez sensibiliser les jeunes à reprendre le flambeau, parce que le flambeau, vous le tenez tous très fort, mais effectivement, l'âge venant, nous avons besoin de successeurs. Alors je suis content que ce genre de manifestation existe, et Claude, je vous remercie d'avoir patronné cette organisation, parce que non seulement, je crois que vous allez pouvoir me dire, mais non seulement il y a des dispositions des travaux de chacune des associations, mais il y a aussi un cycle de conférences et qui va être, je m'en doute, très intéressant, et j'espère que vous tous ici présents reviendrez cet après-midi pour les écouter. Voilà, je vous remercie encore de votre participation, c'est plus un grand honneur que vous soyez ici présents, et merci vraiment à tous les présidents et des associations d'histoire locale pour le travail qu'ils font. Je remercie Philippe Bélanger de me passer la parole après son topo d'introduction de la part du maire de Clermont. Merci d'être présent, de la municipalité. Et merci aussi à vous des autres associations d'être très présents aussi, puisque cette année on a 14 associations. Je ne vais pas donner une liste complète, elles sont dans la salle à côté, mais il y a le Clermontois, le plateau Picard qui a présenté, mais on a étendu un peu aussi à nos amis de Liancourt et sur Creil aussi. Je voulais rappeler aussi qu'il y a des absents, en particulier l'année dernière, on a eu le décès de Jean-Pierre Vest, donc qui aurait dû être là, effectivement, qui ne serait pas présent. Paul Mousset aussi, qui est décédé récemment, mais il y a un peu attendu, qui était le président de Mémoire d'ici. Et puis, j'ai signalé aussi que l'association de Breteuil n'a pas pu être présente parce qu'ils ont le dernier jour de leur exposition sur Tournassou, qui a été un responsable des services cinématographiques des armées. Et ils ont fait une exposition, donc qui se termine aujourd'hui, sur des photos de guerre, souvent des photos de propagande, qui ont été tournées dans la région de Breteuil, et où on voit des choses assez pittoresques, comme une Alsacienne qui accueille un soldat français, alors que c'est une gamine du pays qui a été coiffée d'une coiffe alsacienne, et le soldat, il est sur une marque sur un étang des environs. Enfin. Merci d'être venu nombreux au niveau des autres associations. Remerciements à la ville pour l'accueil et les moyens techniques mis à disposition. Ça a été parfait. Et merci à tous les collègues qui ont aidé à l'installation et celui qui s'occupait de l'organisation qui s'en parle avec M. Montonneau. Et puis, donc, cette réunion, c'est l'occasion de contact et de rencontre avec les autres associations. Et c'est la raison principale de ces réunions. Alors, je rappelle que c'était au niveau du plateau Picard que cette initiative a été lancée dès 2001, où il y a eu les premières journées des associations culturelles du plateau Picard. Et ça s'était passé à Clermont. Et il était convenu que chaque année, une des associations Breteuil, Milnet, Saint-Cloud, Clermont, organiserait alternativement. Donc, effectivement, Philippe Bélanger nous a annoncé que cet après-midi, il y aurait des conférences où chaque association présenterait soit son activité, soit un sujet particulier, donc ils se dérouleront à côté dans la salle de Grévin à partir de 14h, je crois, à peu près, ou un peu plus tard. Oui. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, et donc, profitez bien de cette journée, et qu'il y ait de nombreux contacts et échanges entre les associations. Merci.
Avant de partager ensemble la litige, j'ai oublié de mentionner le travail fait par la bibliothèque de Clermont, qui a mis à disposition dans ses vitrines quelques-uns des joyaux de notre fonds ancien. Et puis, vous faire remarquer la présence de drapeaux dans la salle la salle principale de la bibliothèque de Clermont. Depuis le 19e siècle, il y a plusieurs drapeaux qui sont conservés. Et donc, nous vous en avons présenté trois. Et nous, à partir de le budget 2014, nous engagerons des fonds pour la restauration de ces différents drapeaux, dont certains ont une valeur intrinsèque inestimable. Voilà, merci des services de la ville de Clermont, car je ne voudrais pas clore sans les remercier. Merci à tous, bonne journée.